Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce ne sera pas un vlog, ce sera une FAQ. Ouais, je pense. Une FAQ, on dit. Bref, je te retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Je vais répondre à quelques questions et je vais me maquiller ensemble avec toi. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop. Tu as compris, hein? Tu as compris, on ajoute un peu de trucs. Et puis, voilà. Je sens que ça va te plaire pour me soutenir, pour m'encourager, pour me motiver. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et si toi aussi tu as des questions, ben, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Je te laisse avec la suite de la vidéo et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ pour que la vidéo ne soit pas trop ennuyeuse. C'est au moment où je commence à filmer qu'il vente. Le verbe vente existe. Bref, qu'il y a du vent. Bref, donc je disais, je vais me maquiller. En répondant aux questions comme ça sera, la vidéo ne sera pas trop ennuyeuse. Voilà. J'ai déjà fait mes sourcils parce que ça me prend toujours du temps. Et puis, on est parti. J'ai même pas encore. Non, là c'est mon chat qui prend le relais. C'est pas possible. Bon, me voici de retour. J'espère qu'il va se calmer pour de bon. Je vais commencer par mon teint. C'est un exercice difficile, hein, se maquiller et parler en même temps. Ah, mon fond de teint est terminé. Blackout. Heureusement qu'il y a un nouveau centre commercial ici chez nous et j'ai vu qu'ils ont blackout. Bref, on n'est pas là pour parler blackout. Bon, la première question. Grâce, comment vas-tu vraiment? C'est une question qui. Je suis en train de regarder là parce que mon miroir est par là. C'est une question qui me fait plaisir parce que je trouve que maintenant, les gens, quand ils posent la question comment vas-tu, c'est plus par habitude en fait. Les gens ne cherchent pas vraiment à savoir comment tu vas quand ils te posent cette question. C'est juste. Ok. Oups. Je commence déjà à faire du n'importe quoi. C'est juste en fait pour. C'est parce que quand tu vois quelqu'un. Je sais pas, tu dois poser la question comment vas-tu? Je sais pas si c'est obligatoire. Et recevoir ce genre de questions, comment vas-tu vraiment? Ou si quelqu'un te pose la question comment vas-tu réellement? Bref, je trouve que la personne se soucie vraiment de toi, quoi. Alors, comment je vais vraiment? Ben, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. C'est vrai qu'avec le cambriolage, ça a été compliqué. Déjà que. C'est comme si en fait tout s'est enchaîné. Il y a eu cette vidéo que je vous ai faite sur le viol. Et je me suis dit, je disais dans cette vidéo que j'ai envie vraiment de m'en sortir. C'était pour moi un nouveau départ. Et après, il y a eu ce coup dur du vol parce que ben, on nous a pris quand même des choses de valeur. Et on est dans une période où déjà c'est la période des fêtes. Tout ce qu'on avait préparé pour l'enfant est parti. Et puis, la période des fêtes, on sait qu'on dépense beaucoup. Et puis, on est aussi dans une période où on est en pleine construction. Donc, c'est pas évident. Sincèrement, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident. Mais je vais dire que par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir la tête de l'eau. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça a été vraiment dur les premiers jours, la première semaine. Je ne veux pas vous mentir, je passais mon temps dans mon lit. Mais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Par la grâce de Dieu, en tout cas. Il y a des moments où c'est compliqué, ou quand j'y repense, c'est encore compliqué. Mais ça va. Vraiment, par la grâce de Dieu, ça va. La deuxième question. Depuis combien de temps es-tu mariée? Je ne les ai pas regroupées, hein, donc je vais répondre pêle-mêle. Depuis combien de temps es-tu mariée? Depuis combien de temps je suis mariée? Je me suis mariée en 2008. Nous sommes en 2022, ça fait 14 ans, donc l'année prochaine, ça va faire 15 ans. Je n'arrive pas à y croire que ça fait déjà 15 ans, ça fait longtemps que je suis mariée. Non mais sérieux, ça fait 14 ans que je suis mariée. Waouh. Waouh. Ça fait beaucoup 14 ans. 14 ans, si j'avais eu un enfant au début de mon mariage, ben, cet enfant aurait 14 ans aujourd'hui, ou 13 ans.
fait flipper 14 ans. Ça fait 14 ans que je suis mariée. Je ne dois pas mettre autant de temps sur les questions, sinon on va rester ici jusqu'à X heures, quoi. La troisième question, est-ce toujours la joie dans le mariage ou as-tu aussi déjà vécu des moments compliqués? Ça, c'est une très très bonne question. Je trouve que les gens aujourd'hui, surtout les jeunes filles, idéalisent trop le mariage. Bon, moi aussi, quand je me suis mariée, je pensais, j'idéalisais aussi un peu le mariage, on va se le dire. C'est parce que je pense que les gens ne disent pas la vérité sur le mariage. Après, c'est comme dans toute relation, quoi. C'est comme dans ta famille, ta relation que tu as avec tes frères et tes sœurs, ou avec ta mère, ou avec ton père. Il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça va. C'est la même chose, je trouve, dans le mariage. C'est une personne que tu ne connais pas vraiment, qui n'a pas eu la même éducation que toi, qui sort d'une autre famille. Donc, il faut toujours un temps d'adaptation, mais même après ce temps d'adaptation, il y a toujours parfois des incompréhensions. Donc, est-ce toujours la joie? Je vais dire non, c'est pas toujours la joie. C'est comme dans toutes les relations, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où c'est très compliqué. Mais on apprend à vivre avec. C'est comme quand tu as des problèmes avec... Attends un instant, s'il te plaît. Voilà, je disais que c'est comme quand tu as des problèmes avec ton frère ou ta soeur ou ta mère. Bref, vous les réglez, quoi. Donc, c'est la même chose aussi dans le foyer. Vous rencontrez des défis, mais voilà, vous les réglez et puis vous passez à autre chose. C'est comme ça que j'ai compris le mariage, quoi. Donc, j'ai déjà vécu des moments compliqués. J'ai déjà vécu des moments très compliqués. Ah, ça me fait rire quand j'y pense parce que... Il y a des choses que parfois tu peux même pas raconter. Et en parlant de ça, il faut savoir que dans le mariage, il y a des choses que tu ne peux pas raconter à n'importe qui, quoi. Il faut faire attention à qui tu racontes tes histoires parce que toi, demain, tu vas pardonner, mais la personne va rester avec cette mauvaise chose que tu as eu à dire de ton mari ou de ta femme. Donc, il faut faire très attention avec les choses qu'on raconte. Il faut savoir quoi raconter et à qui raconter et qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter. Voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc oui, j'ai déjà vécu des choses très compliquées, j'ai déjà vécu des choses très très compliquées, mais par la grâce de Dieu, on s'en est sorti et on continue. Je sais que jusqu'à la fin de notre vie, les choses compliquées vont continuer. C'est ça en fait la vie. La vie est faite de défis, la vie, des relations. Vous ne pouvez pas vivre des relations humaines sans qu'il y ait des confrontations, sans qu'il y ait des difficultés. Il y aura toujours des difficultés, mais après, par la grâce de Dieu, on s'en sort, quoi. Voilà. Donc il y a déjà eu des moments très difficiles. Quelle différence d'âge y a-t-il entre ton mari et toi? Belle question, très belle question. Il y a une grande différence d'âge entre une différence d'âge assez conséquente entre mon mari et moi. Il y a des gens qui disent que la différence d'âge souhaitable entre deux conjoints, l'idéal serait 5 ans. Moi, j'ai plus de 5 ans de différence entre mon mari et moi. Tout simplement, moi, quand j'étais jeune, je me disais toujours que mon mari doit être beaucoup plus âgé, un peu plus âgé que moi, parce que je trouvais les garçons de mon âge pas matures du tout, et les garçons de ma promotion, je veux pas dire de mon âge, les garçons de ma promotion, je les trouvais pas matures. Je trouvais qu'ils pensaient trop boîte, danser, bref, j'étais très mature assez jeune, donc je cherchais quelqu'un aussi d'assez mature. Et pour moi, je ne pouvais pas prendre quelqu'un de ma promotion. Ça, c'était quelque chose déjà que j'avais eu à exclure, pas quelqu'un de ma promotion. Et il y a une différence de 13 ans entre mon mari et moi. Voilà. J'allais dire, voilà pourquoi il a des cheveux blancs. Non, c'est pas ça. Dans sa famille, en fait, ils ont des cheveux blancs très, trop, très tôt. Il a commencé à avoir des cheveux blancs très, très tôt. Mais voilà. Donc, on a 13 ans de différence entre mon mari et moi. Es-tu maintenant comblée depuis que tu as eu un enfant? Pour les nouveaux venus qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, on a eu du mal à avoir un enfant. On a attendu des années, près de 10 ans, pour avoir un enfant. Et ça a été des moments très compliqués. J'ai souffert de dépression. C'était vraiment des moments très compliqués. Et est-ce que maintenant je suis comblée depuis que j'ai un enfant? Attends, il y a un pinceau que je vois pas où est-ce que je l'ai mis.
Hey, il était là. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce que maintenant je suis comblée depuis que j'ai un enfant? Avoir un enfant ne te comble pas. Sincèrement, ça peut être décevoir certaines personnes, mais avoir un enfant ne te comble pas du tout. Je pensais que quand j'aurai un enfant, je serai comblée, mais non, il y a toujours d'autres défis qui s'ajoutent. Il y a toujours d'autres difficultés qui arrivent et non, avoir un enfant ne m'a pas comblée. C'est une joie pour moi d'avoir un enfant, mais il y a des moments où c'est très compliqué. Même avec l'enfant, c'est très compliqué. Tu te dis, est-ce que je suis une bonne mère? Tu te remets en question, quoi. Donc non, je te dis que ce qui comble, c'est Jésus. C'est vraiment Dieu qui comble. Et non, l'enfant ne comble pas du tout. Ne comble pas du tout. J'ai appris à ne plus fonder mon bonheur sur les choses matérielles. Et de plus en plus, en évoluant, je me rends compte qu'il ne faut pas fonder son bonheur sur le matériel. Il ne faut pas fonder son bonheur sur des choses qu'on peut avoir, quoi, des choses terrestres. Parce que non, c'est pas ça le véritable bonheur. Le véritable bonheur se trouve en Christ. Et si tu n'es pas heureuse avant, c'est pas parce que tu auras un enfant que tu seras heureuse. Ça, vraiment, j'aimerais vraiment, vraiment le souligner. Non, ça ne comble pas. Avoir un enfant, ça ne comble pas. Voilà. Mais ça, c'est vrai que maintenant, j'ai ce que je cherchais, mais ça ne m'a pas comblé, quoi. Il y a toujours d'autres difficultés. Mais je suis contente d'avoir eu mon enfant, mon fils. Voilà. À quelques jours de la fin de l'année, quel est ton ressenti, ton bilan? Ça, c'est une question qui fout souvent la pression, je trouve. Les gens se mettent souvent la pression avec cette question. Mais je me suis dit personnellement que je n'allais plus me mettre la pression à cause de ces fameux bilans, à cause de ce que, par exemple, j'aurais souhaité avoir pendant cette année que je n'ai pas eu. Et après me mettre la pression pour savoir. Non, je me suis dit que ça n'allait plus arriver. Parce que je me suis mise la pression pendant des années. Et ça ne change rien. Ça ne change rien. Je me suis dit, le plus important, c'est que je ne suis pas morte. Je suis vivante. Ça veut dire que Dieu a encore des plans pour moi. Ça veut dire que Dieu veut encore faire des choses avec moi. Ça veut dire que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Même s'il y a des choses que j'aurais voulu avoir cette année que je n'ai pas eues, ben, c'est pas grave. Dieu m'a accordé la vie et c'est ça le plus important. Il y a des gens qui voulaient se marier cette année, qui se sont mariés cette année, mais aujourd'hui, ils sont sous terre. Il y a des gens qui ont voulu avoir des enfants. Et des femmes qui sont tombées enceintes, malheureusement, elles sont mortes lors de l'accouchement. Il y a des personnes qui voulaient se marier, elles se sont mariées, puis elles ont divorcé cette année aussi, la même année. Donc, il y a tellement de choses, je me dis que toute chose, Dieu fait toute chose bonne en son temps. Donc, si ça n'a pas été cette année et que j'ai toujours la vie, ça veut dire que Dieu me réserve le meilleur. Je préfère réfléchir comme ça. Et ça me permet, ben, de ne pas stresser et d'être confiante en l'avenir, de me dire, Dieu me réserve de meilleures choses. De toutes les manières, Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pour moi, l'important, c'est de continuer à aimer Dieu et le reste viendra en temps voulu, quoi. Voilà comment je raisonne maintenant. Donc, quel est le bilan, mon ressenti, mon bilan pour cette année? Ben, je veux dire, il est positif parce que je suis en vie. C'est ça le plus important. Je suis en vie, donc c'est le plus important. Une autre question, si tu devais changer quelque chose dans ta vie, que ferais-tu différemment? Très très belle question. Très très belle question. Si je devais changer quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que je ferais différemment? Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce que je ferais différemment s'il fallait que je change quelque chose dans ma vie? Je ne m'occuperai plus du regard des autres. Oui, je serai totalement indépendante du regard des autres. J'ai pendant trop longtemps fait attention à ce que les autres pensaient. J'ai longtemps fait attention
au dire des autres. Je me suis longtemps comportée par rapport à ce que les gens attendaient de moi. Je ne sais pas si toi aussi tu es comme ça, mais moi, pendant des années, vraiment des années, je me suis conformée au moule que les gens, j'ai envie de dire, avaient. C'est comme si les gens avaient mis un moule devant moi et moi je suis rentrée simplement dans ce moule. Donc j'ai fait exactement ce que les gens attendaient de moi. Et je regrette de l'avoir fait parce que je n'ai pas été vraie avec moi-même et je pense que les gens ne me connaissent pas vraiment. Sincèrement, je pense que même certains de mes proches ne me connaissent pas vraiment parce que je suis rentrée dans un moule que les gens avaient mis devant moi et je me suis comportée exactement comme les gens voulaient que je me comporte. Du coup, ce que je ferais différemment, c'est d'être vraie. Ce que je ferais différemment, c'est demander à Dieu, et c'est même ma prière de tous les jours maintenant, demander à Dieu de m'aider à être vraie, de demander à Dieu de m'aider, de révéler réellement ce qui est dans mon cœur. Et voilà, juste ça, quoi. Révéler exactement ce qui est dans mon cœur pour que je sois vraie. Parce que je me suis rendu compte que même moi-même, je ne me connais pas vraiment. Je me suis tellement perdue, en fait, dans ce que les gens attendaient de moi, que moi-même, je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis exactement. C'est bizarre de le dire, mais moi, je le reconnais. Je reconnais que parfois, je me demande, qu'est-ce que tu veux réellement, grâce? Parfois, devant une situation, ben, je me pose cette question. Grâce, qu'est-ce que tu veux réellement? Il arrive que la réponse soit, je ne sais pas. Je me réponds à moi-même, je ne sais pas. Parce que exactement, je ne sais pas ce que je veux. Donc, c'est vraiment ma prière de ce moment. C'est que Dieu m'aide à révéler ce qui est au fond de moi. Que Dieu me révèle à moi-même. Que Dieu me montre réellement qui je suis pour être vrai. C'est pas que j'ai voulu être fausse, mais ou c'est pas que je suis fausse, mais simplement je ne me connais pas moi-même. Et c'est très difficile quand tu ne te connais pas toi-même de te retrouver, d'avoir des repères. C'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Et pour moi, c'est un processus maintenant de me connaître moi-même, d'arriver à me connaître moi-même. C'est très important pour moi maintenant. Donc, voilà. Voilà, si je devais changer quelque chose, voilà. Que dirais-tu à la grâce d'il y a 10 ans? Ben, ça va aller dans la même optique que ce que je viens de dire tout à l'heure. La grâce, il y a 10 ans, je lui dirais, passe beaucoup plus de temps avec Dieu, passe beaucoup plus de temps à te connaître, même si j'ai connu Dieu très tôt, mais je pense que je ne lui ai pas posé les bonnes questions. Je pense que je n'ai pas fait les bonnes prières qui devaient me permettre en fait de mieux me connaître. Et j'aurais aussi dit à la grâce il y a 10 ans, ne sois pas trop naïf, ne fais pas confiance facilement. C'est vrai, il faut pas être trop méfiante, mais j'ai été trop naïve et les gens en ont profité, quoi. Donc je dirais aussi à la grâce il y a 10 ans, ne sois pas trop naïf. Ne donne pas ta confiance aussi facilement. Jusqu'à présent, il m'arrive de faire confiance très facilement, très très facilement. Et c'est encore un travail que je dois faire, c'est un travail de tous les jours, quoi. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Après, je ne dis pas qu'il faut être méfiante vis-à-vis de tout le monde. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que je devrais éviter de faire confiance aussi facilement que je le fais. Voilà. Bon, il faut quand même que j'avance dans le maquillage, sinon ça va pas aller là, hein? Moi qui voulais faire juste quelque chose de très simple, je me suis emballée là. Bon, écoute, je mets en accéléré et puis je vais répondre à la dernière question.
Ça, tu peux bien voir, j'ai mis des petites paillettes. Je suis trop contente. Suis grave. Alors, la dernière question, c'est un sujet aussi. Tu as fait la PMA. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui aimerait se lancer dans ce processus? Pour celles qui ne savent pas et pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y a des hommes aussi. Dans notre période où on cherchait à avoir un enfant, ben on a fait de la PMA, procréation médicalement assistée. On l'a faite à l'étranger et malheureusement, ça n'avait pas marché. Comme quoi, c'est compliqué hein, la vie. C'est vraiment compliqué la vie. Bref, ça n'avait pas marché. Quel conseil je donnerais à une femme qui aimerait se lancer? Alors, je pense que déjà, il ne faut pas se dire tout de suite que ça va marcher. Il faut se préparer à tout. Il faut vraiment. Je pense que moi, j'ai été. La clinique, après, ce n'est pas de leur faute. Hein. Par écrit, c'est écrit qu'il y a tant de chances de réussite. Mais. Et on te dit que quand tu es jeune, ben, il y a plus de chances de réussite. Mais on ne te parle pas assez du taux d'échec. Et je trouve aussi que quand ça ne réussit pas, ben, je sais que moi dans ma clinique, on m'avait dit qu'il y avait un psychologue qui pouvait, que je pouvais rencontrer un psychologue, mais c'était pas obligatoire. Je pense qu'on devrait quand même faire que ça soit obligatoire. C'est-à-dire quand ça ne réussit pas, et même avant, je pense que même avant, il est préférable de passer par un psychologue pour se préparer mentalement à tout ce qui peut arriver. C'est très important, je pense. Je sais que. Attendez. Donc je disais, je sais qu'aller voir un psychologue, c'est assez tabou dans notre société, mais c'est très important, je pense, d'aller voir un psychologue, d'être préparé en fait mentalement à tout ce qui peut arriver. Parce que quand ça ne marche pas, je peux te dire que c'est très très compliqué. Déjà que tu dépenses beaucoup d'argent, et c'est ça aussi que j'aimerais, c'est le sujet aussi que j'aimerais aborder, dire qu'il faut se préparer aussi financièrement. Sincèrement, c'est pas la peine. Si tu n'as que cette somme-là qui est demandée, ce n'est pas la peine de te ruiner pour ça, et alors que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, si par exemple, je prends un exemple, si ça demande 3 000 euros par exemple, n'aie pas seulement 3 000 euros, pense aussi à l'après. Nous, c'est l'erreur qu'on avait eu à faire. On pensait plus au moment présent et on dépensait tout ce qu'on avait jusqu'à ce que. Quelques membres de la famille puissent nous aider. Quelques membres. Bref, jusqu'à ce qu'on puisse aussi nous aider. C'est vrai qu'il y a des gens qui pouvaient nous aider, ceux qui étaient au courant, mais notamment ma mère. Mais c'est. Il faut se préparer. Il faut se préparer financièrement. Il faut se préparer psychologiquement. Et remettre tout entre les mains de Dieu, se dire que si ça marche, gloire à Dieu, que si ça ne marche pas, gloire à Dieu aussi. Vraiment se préparer à tout et d'être fort. Surtout, j'aimerais aussi dire aux femmes de ne pas laisser la PMA en fait vous éloigner de votre mari. C'est ce qui arrive souvent. Je trouve que la femme, comme c'est elle qui porte l'enfant, je pense que c'est quelque chose qui l'atteint un peu plus que l'homme. Après, l'homme. Je pense que l'homme aussi, ça l'atteint, mais il n'exprime pas plus ses sentiments. Or, la femme exprime, et bref, parfois, donc, il peut avoir des disputes, il peut avoir mésentente par rapport à ça, mais il faut faire attention de ne pas tout gâcher pendant ce processus. Il faut rester fort, il faut rester uni, il faut vraiment se soutenir mutuellement, et il faut aussi en parler. Faut pas que ça soit un sujet tabou, même entre vous deux. Pour nous, c'était peut-être pas un sujet tabou, mais on s'asseyait pas pour en parler vraiment. Chacun vivait sa souffrance de son côté, et je pense que ça fait qu'on puisse s'éloigner aussi un peu. Donc, que chacun ne vive pas en fait le problème, que chacun ne vive pas la difficulté à son niveau, même si c'est la femme pratiquement qui fait tout dans le truc de PMA, mais
que les deux soient toujours ensemble, il est important d'en parler. Il est important, si dans le cas où cela est possible, que la femme soit toujours accompagnée par son mari, parce que c'est un soutien vraiment de taille. Voilà. Mais dans tous les cas, que ça marche ou ça ne marche pas, il faut pas désespérer. Parce que avoir un enfant, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas le bonheur suprême, quoi. C'est pas comme ce que les gens disent, que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut être heureux, heureuse aussi sans avoir d'enfant. Voilà. Voilà. Voilà ce que je te mets à dire sur la PMA. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais répondre à ces quelques questions. Si toi aussi tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.